toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Sport en France. Bienvenue dans l'émission Athlètes, les rendez-vous de la Cannes. 52 minutes pour aborder les plus grandes thématiques du sport pour lesquelles la commission des athlètes de haut niveau se bat au quotidien au sein du CNOSF. On va s'amuser, comme d'habitude dans cette émission, mais on va quand même parler un petit peu sérieusement. On est à un mois de la cérémonie d'ouverture sur la scène, un mois du lancement de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors vous savez quoi, dans cette émission, on va tout vous dire. L'engouement, les performances sportives, les porte-drapeaux, on vous dit tout. Moi, comme d'habitude, je suis très bien entourée parce que je suis avec la sublime Marie Martineau. J'adore. Qui a mis un magnifique t-shirt. Je tiens à le préciser. Bah oui, on me l'a offert à la dernière émission, alors je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre. Alors avec nous, parce que si je suis sublime, lui il est divin, c'est Fred Weiss, l'ancien basketteur professionnel. Ah donc vous avez vraiment besoin de lunettes toutes les deux apparemment. Sexy Fred, vice-champion olympique à Sydney en 2000 et il va nous accompagner toute l'émission. Bon plaisir. La magnifique Oriana Lazraklas est également avec nous en visio, vice-championne toute récente, vice-championne d'Europe 2024, qui s'est sélectionnée, ça y est Oriana, pour les Jeux de Paris 2024. J'y serai, je suis tellement contente d'être avec vous. Bonjour tout le monde. On est content de t'avoir évidemment. Et alors pour compléter la boucle, Fabien Tozzolini, tu es leader supporter et membre très actif des Irrésistibles, je vais y arriver, Irrésistibles français. Tout à fait. Tu nous raconteras exactement quel est ton rôle et ce que tu es un grand supporter. Leader. Sûr. Leader. Allez Marie, à chaque fois j'ai hâte. Tu sais ce qui nous attend? Ton édito. Mmh. C'est parti. Elle se marre déjà. Pardon, je suis à fond dans l'ambiance. J'ai encore rien dit. C'est l'effet Marie. Oui. Alors avant de commencer, je précise, on est un con. Donc on nous a vendu des transports en commun inopérants, un périph' parisien bouché, réduit sur une seule voie, des millions de kilomètres de bouchons. On nous a prévenus sur les délais qui ne seraient pas tenus, des livraisons d'ouvrages qui seraient certainement très compliquées. On nous a expliqué que la facture finale exploserait, plongeant la France dans un déficit record, perdant son triple A à cause de l'organisation des Jeux Olympiques. On a dû se farcir la sempiternelle question de la baignabilité de Sa Majesté la Seine. On a suivi la guerre fratricide entre ces dames Pécresse et Hidalgo. C'est pas moi, c'est l'autre, sombre histoire de répartition des compétences, dont tout le monde se foutait. On nous a promis la clivante Ayana Kamura en cérémonie d'ouverture, comme on nous a blâmé pour avoir osé faire allumer la flamme de la vasque marseillaise à Jules, un Marseillais. Jules. Ok. Heureusement, on est un con. Mes amis, nous avons traversé vents et marées avec succès pour en arriver là. Même si celle-là, on ne l'a pas vue venir. Un potentiel premier ministre d'extrême droite dans le pays de Voltaire qui a vu naître les Lumières, dans le pays de Zola qui a vu naître les mesures sociales, dans le pays de Simone Veil qui a récemment inscrit l'IVG dans sa propre constitution, à l'heure d'accueillir le monde entier chez nous pour 15 jours de trêve internationale, alors celle-là, mes aïeux, on ne l'avait pas vue venir. On est un con. Pourtant, je ne doute pas qu'à l'instar du sport, nous trouverions un moyen de continuer à suivre ensemble les règles du jeu, à nous accorder sur la finalité, à partager le field of play pour vivre et offrir des émotions folles, positives et constructives. On est un con, mais nous, restons unis. Bravo. Tu m'as laissé bouche bée sur celui-là. Ah, pas vous ? T'as arrêté de rigoler, là. Ouais. C'est ça, elle rigole plus, là. Je t'ai trouvé hyper sérieuse, en plus, là, c'était... Je pense que l'heure est grave, mais on va faire une belle émission de 52 minutes où on va passer aux festivités, évidemment. Bon, alors, c'est quoi le problème, quand même, Marie ? Tu nous fais un petit résumé ? Je pense qu'en fait, le problème, il est franco-français. C'est juste qu'on est adepte du bashing et de la plainte. Alors, on se fait des nœuds à la tête parce que Madame le maire a annulé sa baignade ou parce que peut-être l'eau ne sera pas au rendez-vous, gna gna gna. Les transports en commun, tout ça. Tout ce dont je viens de vous parler, en fait, on est les rois de la supposition négative. Mais alors, finalement, malgré tout ça, dans les faits, rien n'entrave quand même l'engouement des Jeux à domicile et on a des chiffres qui tuent. Alors, les chiffres qui tuent. On commence toujours l'émission, messieurs, par les chiffres qui tuent. Ils sont vertigineux. 5,9 millions, c'est le nombre de téléspectateurs qui ont suivi l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, le 8 mai dernier. 230 000 spectateurs réunis pour l'occasion, 150 000 sur le Vieux-Port, plus de 3,5 millions de mentions dans le monde sur les réseaux sociaux.
et on attend plus de 3 milliards de téléspectateurs pour ces JOP, comme on les appelle, Jeux Olympiques et Paralympiques, à travers le monde. 9 millions de billets ont été vendus. Alors c'est vrai qu'il y a un succès populaire partout où la flamme est passée, avec plus de 2000 porteurs sur les premières étapes, jusqu'au relais des océans où la flamme a traversé les 5 territoires ultramarins, Polynésie française, Réunion, Guyane, Guadeloupe et Martinique. Elle est d'ailleurs ce soir à Strasbourg pour célébrer l'Europe après avoir célébré le centenaire des Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix il y a quelques jours, avec Mike Horn. Quoi qu'on dise, les chiffres sont hallucinants et ils font de ces JOP 2024 tout simplement le plus gros événement mondial jamais organisé. 206 délégations olympiques avec 182 délégations paralympiques réparties dans 82 bâtiments, 10 500 athlètes olympiques et olympiques et 4 400 athlètes paralympiques. Fred, pourquoi tu rigoles ? Parce que le Oli m'a beaucoup fait rire. Beaucoup d'athlètes Oli. Ouais. Fatigué déjà. Oli, ouais, Oli, para. C'est le nom de la mascotte. C'est comme les friges, Oli et para. Bon, Fred, tous ces chiffres, ça donne un petit peu le tournis quand même. T'avais l'impression, toi, à Sydney, de vivre comme ça un engouement de malade ? Difficile, parce qu'on était dans le village olympique, on est arrivé là-bas quasiment que pour ça. On avait fait 15 jours avant et on n'avait pas la notion de ce qui se passait. Il n'y avait pas les réseaux sociaux déjà, donc forcément on avait moins de notions. Et surtout on était concentré sur notre compétition, donc on avait un peu du mal à s'en rendre compte. En plus, les seules personnes avec qui on communiquait, c'était les personnes qui étaient en France, avec beaucoup d'heures de décalage. Donc concrètement, on n'avait pas vraiment cette impression d'un tel engouement. Oriana, toi, tu vas faire partie de ce moment historique qu'on vient de décrire. Tu entres dans tous ces grands chiffres. On a vu ton émission, évidemment, sur France Télé, lorsque tu as compris que tu étais qualifiée. Et Dieu sait que c'était touchant. Est-ce que tu es redescendue ou est-ce que finalement, tu ne fais que continuer à grimper dans cette émotion-là ? Oh non, je continue à grimper. Moi, j'ai tellement hâte d'y être. À chaque fois qu'on m'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux. J'ai les émotions qui montent toutes seules encore. Parce que franchement, comme vous arrêtez pas de le dire, c'est un engouement incroyable. Franchement, maintenant, même quand je me balade dans la rue, c'est « Allez, Oriana, pour les JO !» quoi. Donc, je suis retournée à l'entraînement, mais j'ai envie de tout péter. Mais même pas maquillée, Oriana ? Quand t'es pas maquillée, on te reconnaît quand non, même ? Non, c'est la vie normale. Les gens, ils arrivent quand même à me reconnaître. C'est fou. Fabien, on expliquera un petit peu plus tard dans l'émission tous les dispositifs dont vous faites partie, les supporters. Pour toi, les Jeux, ils ont commencé quand ? Avant, au parcours de la flamme, pas encore ? Oula, non, les Jeux, ils ont commencé en 1992 pour moi. Ah. Ils ont commencé en 92 quand la flamme olympique est passée devant chez moi, le relais de la flamme d'Albertville. Et ce jour-là, j'ai vu un homme porter une torche, et je ne comprenais pas trop ce que c'était, enfin, pourquoi ça le rendait si fier, etc. Donc, voilà, j'ai vu cet homme passer, je me suis dit, c'est quand même assez incroyable que ce petit bout de plastique qu'on avait acheté avec mes parents à l'époque puisse rendre aussi fiers les gens. Et qu'est-ce que c'était que ça ? Et c'était en fait les premières rencontres avec le sport. Enfin, j'étais gamin, et puis ben voilà, la flamme ne m'a jamais lâché. Et ouais, là, la flamme pour nous, les Jeux, ils ont commencé il y a maintenant 5 ans. Voilà, quand on est venu taper à notre porte en disant « Est-ce que vous seriez chaud pour mettre en place un groupe de supporters pour les athlètes olympiques ?» Et voilà, quand on est passionné de sport et qu'on est passionné des Jeux olympiques, ça fait sens. Voilà. Et attends, parce que la flamme, donc, tu l'as vue devant chez toi en 92. Ouais. Est-ce que tu vas la porter en 2024? Ouais, moi je la porte la semaine prochaine dans ma ville natale, dans le Nord. Voilà, c'est une immense fierté parce que voilà, c'est quelque chose que voilà, moi j'étais vraiment gamin et ce que j'aime dire en ce moment à tous ceux qui me disent bah alors tu vas la porter parce que je mesure de plus en plus ce qu'est être porteur de la flamme. Ce que j'aimerais, moi, c'est que ben, quand je vais la porter, il y a un petit gamin qui est le petit Fabien de 92 qui se dise « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et qu'on, voilà, c'est la boucle serait bouclée. Voilà, donc, magnifique. Voilà, ça va être chouette. T'as un petit prono pour le dernier relayeur de la flamme ? Non, j'ai pas. On en parlait il n'y a pas longtemps entre nous. Et j'avais vu Marie-Jo Pérec, mais c'est fait. Voilà, elle vient de la porter, donc je sais pas. Non, j'ai pas de. Ok. Ce sera pas de Jules non plus, donc. Voilà. Non, c'est fait aussi. C'est fait aussi. Fred, alléluia, j'ai entendu. Qui a dit alléluia ? Mais je crois qu'elle est particulièrement fan. Non, je suis vraiment pas d'accord avec ce genre de choses. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Zidane à Marseille. C'est ouf. Ouais, on l'attendait tous. Mais il n'est pas. Parce que. Je suis pour la flamme au sportif et à tous ceux qui comme toi, genre, admirent le sport. Mais Jules, je ne comprenais pas.
Voilà. Ok, on est beaucoup, hein. Coup de gueule, ça bah s'est ouais, passé. Non, okay. C'est la grande famille du sport, il y en a quand même. On est assez ouvert dans la famille. Oui, mais il n'est pas de notre famille, Jules. Mais non, mais toi, tu es un ouverture aux gens de ta famille. Voilà. Bon, alors Fred, toi, tu es le seul à avoir déjà un peu goûté au JOP 2024, puisque tu l'as porté, la flamme, à Châteauroux. Dis-nous, franchement, ça t'a fait quoi? Je suis partagé. J'étais hyper ravi sur le moment parce que je me dis c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que effectivement ça contribue à transmettre des choses et c'est quand même quand je pense qu'il y a Mohamed Ali qui l'a apporté d'un seul coup ça donne une vraie valeur au truc. Sauf que moi c'était à Châteauroux où je connaissais absolument personne. Wow. Alors j'étais dans le bus avec des gens qui avaient toute leur famille sur place et moi je connaissais absolument personne. Et quand tu sors du bus et que personne ne t'attend, tout le monde s'en fout et te regarde à moitié. Ça a un peu moins de valeur quand même. Il y avait Lucas Nico quand même. Non, mais... Il y avait Lucas Nico qui m'attendait avec une caméra. La seule chose qui m'attendait, c'était Lucas Nico avec une caméra. Donc c'était un peu triste. Non mais Fred, pour m'être trimballé à tes côtés quelques fois, les gens te connaissent. Il n'y a pas besoin de la flamme olympique. Les gens te connaissent. Oui, mais ils me connaissent, mais comme basketteur. Mais ils ne connaissent pas. C'est pas quelqu'un de ma famille. Je trouve que l'impact est un peu différent quand même. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Fabien, en tant que supporter, est-ce que vous avez été sollicité pour animer un petit peu ce parcours? Non, pas du tout. Okay. On sera vraiment mobilisé sur l'avant-jeu côté sportif, c'est-à-dire qu'on a déjà participé à des étapes sportives, des rencontres sportives, que ce soit à l'INSEP directement ou dans des matchs de préparation, voire même des test events. Ouais, vous avez en plein entraînement de tir à l'arc, quoi. C'est ça, ouais, on a débarqué à 80. Voilà, c'est ça, à la Rémi Gaillard, pour ceux qui ont un peu la référence, on a débarqué à 80 des sorties du bus. Et ils ont dit arrêtez de tirer des flèches, parce que là, ça commence à devenir dangereux. Mais on a débarqué en plein milieu de l'INSEP. On a fait après la même chose à l'escrime, on a fait la même chose à la gym. Et puis après, on a été à Orléans voir le match de basket qui avait eu lieu. Ouais, mais alors, faut pas tout nous raconter parce que ça fait partie d'une petite partie de l'émission un petit peu tard. Il était lancé, mais on va le garder. On va regarder ça tout à l'heure. Mais c'est un supporter, il faut les retenir. C'est très très excité. Oriana, toi, tout cet engouement autour de la flamme, j'imagine que évidemment, tu as suivi. Est-ce que tu imagines ce que ça peut donner dans un stade de 80 000 personnes qui va forcément s'égosiller en te voyant rentrer dans le stade. Est-ce que tu es prête pour ça? Moi, j'adore l'énergie des stades, donc je pense que je vais adorer. Mais de là à dire que je me rends compte de ce que ça va être, vraiment, je pense que même dans mes rêves les plus fous, ça ne pourra pas être aussi bien que ce que ce sera. Parce que 80 000 personnes, c'est énorme. Les JO, c'est énorme. Le stade, il est immense. Franchement, non, je pense que ça va être un rêve éveillé. Et vraiment, moi, j'ai de la chance, entre guillemets, de prendre l'énergie qui m'est donnée comme ça. Mais je pense que ce n'est pas le cas de tous les athlètes. Donc, c'est vraiment un travail qu'il faut faire sur nous-mêmes. Parce que l'énergie, on va nous la donner que l'on veuille ou non, quoi. Mais c'est exactement ce dont je discutais avec Shirine Boukli, qui va faire les Jeux au judo, notamment. Et elle me disait, des Jeux olympiques... Et encore plus à la maison, ça se prépare, quoi. Ah, mais vraiment, parce que déjà, c'est un événement que nous, en tant que sportifs, on attend, parce que c'est vraiment le Graal, il n'y a pas au-dessus, quoi, comme compétition en tant qu'athlète. Mais en plus de ça, à la maison, je pense que les gens ne se rendent pas bien compte que nous, en tant que sportifs, c'est un événement qui va être unique dans notre vie. Et même nous, en tant que sportifs, on ne mesure pas l'ampleur. Je pense qu'on a besoin du regard extérieur de ceux qui nous aident, ceux qui nous entraînent, des préparateurs physiques comme mentaux. Parce que nous, en tant que sportifs, même si on fait ça tous les jours, on a besoin du regard extérieur pour se rendre compte vraiment de ce que ça va être, quoi. Alors Fred, par rapport à ça, toi, dans les sports co, le fait de jouer à domicile a certainement un impact. Tu crois vraiment au home advantage? Je pense un petit peu dans certaines disciplines, oui. Dans le basket, par exemple, oui, je pense que ça peut être hyper intéressant. Surtout que nous, on commence à Lille, qui est une terre de basket absolue. Ah oui. Donc, tu l'as remarqué, quand on est allé à Lille, il y a beaucoup de gens qui parlaient de basket, parce qu'ils adorent ça. Et je pense effectivement que nous, on a l'habitude d'être soutenus ou haïs. Mais c'est vrai que la neutralité pour le basket, c'est affreux, en fait, comme sensation. C'est-à-dire que tu vas jouer en Australie, par exemple, et tu joues contre des Serbes, bah, il se passe pas grand-chose dans les tribunes. Et ça nous plaît pas, nous, dans le sport co. On aime bien être titillés, soit méchamment, soit gentiment, mais on aime bien qu'il y ait cette ambiance dans les stades. Moi, je pense que Alors que les épreuves individuelles, ouais, c'est vraiment pas pareil. Ouais, je suis complètement d'accord. La plupart du temps, on est tout seul face à nous-mêmes et puis basta. Alors que là, vraiment, on va être soutenus tout le temps. Et je parlais avec les athlètes qui ont fait Paris 2003, donc en athlétisme, les mondiaux. Et eux, vraiment, ils ont vraiment senti la différence, quoi.
Alors justement, on va parler un petit peu de cette culture de la gagne et de la relation au public dans la deuxième partie. Alors si je vous dis et 1 et 2, vous me dites et 3 0. Et 3. Je savais que je pouvais pas compter sur Fred. Oh là là. Bon, on sait faire nous en vérité, on sait quand même s'ambiancer nous les Français. Attends, j'ai quand même pris un tacle par Oriane qui était pas née peut-être. Ah, et Fred quand même. Non. Bah ouais, quand même. Bon, en tout cas, on a quand même une véritable culture de la gagne. Toi, Fred, donc tu disputes les Jeux en 2000 à Sydney avec cette exceptionnelle médaille d'argent, il faut le dire. Comment elle s'est construite, ces médailles d'argent, jusqu'en finale? C'était un miracle. C'est vrai? Oui, c'est un miracle. Non, on n'était pas du tout partis pour ça. En plus, le basket français, ça faisait 56 ans, je crois, qu'on n'avait pas fait de médaille aux Jeux Olympiques. Donc, on allait là-bas en touriste, comme d'habitude. Sauf que tout s'est bien enchaîné, qu'on a bien joué au basket, qu'on est tombé contre les bonnes équipes parce que le Canada a éliminé la Serbie, qui était notre bête noire. Et tout s'est enchaîné, mais parfois, le sport, c'est aussi une question de chance, en tous les cas, le sport co, parce que quand tu fais les bons croisements, ça peut être sympa. Donc concrètement, on n'était pas allé pour ça, on était allé pour faire une meilleure perf que nos prédécesseurs, évidemment, mais de là à gagner une médaille, c'était une énorme surprise pour tout le monde. Regarde ces bonnes vieilles photos, là. Ben là, c'est Yao Ming, hein, quand même. 2 mètres, je ne sais pas combien. Hein. On l'annonce à 2m24, mais ouais. Je crois qu'il fait plus. Donc, Ah ouais, plus grand que toi, quand même. Ah oui, ça existe, hein, tu vois. Ouais, je ne savais pas. Fabien, tu cumules combien d'années de supporterisme, toi? 35 ans. On parle vraiment de 92, du coup. Hein. Après, avant 92, il y a le foot, parce que je suis natif du Nord. Donc, le foot, quand vous avez Valenciennes, Lens et Lille dans un cercle de 30 km, forcément, bah, ça parle foot. Donc, moi, j'étais au stade avec mon père depuis quasiment que je suis né, entre guillemets. Donc, j'avais ce rapport avec le supporterisme depuis ce temps-là. Et puis le sport, oui, le sport. Mes premières vraies vibrations olympiques d'été, parce que hiver, un peu moins, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais les Olympiques d'été, c'est 80. Non, mais après, si, j'ai des souvenirs incroyables, bah, évidemment, de 92. Mais après, ça s'est un peu, ça s'est un peu atténué. Par contre, 96, moi, c'est Marie-Jo. Puis après, bah, je suis désolé, mais moi, je me suis levé. Pour venir te voir jouer devant ma télé à l'époque. Oui, mais si tu te rappelles bien, c'était vraiment les supporters extraordinaires qui suivaient. Parce que comme il y avait un décalage horaire, c'est vrai que ça n'avait pas permis d'être très mis. Attends, mais c'est pas pour rien qu'il est là, hein. C'est un supporter extraordinaire. Et puis c'était aussi, en termes de diffusion télé, c'était aussi c'était les premières Olympiades où vraiment il y avait l'accessibilité. Peut-être pas, mais il y avait l'accessibilité aussi à beaucoup de sports. Et 92, c'était beaucoup l'athlétisme et quelques sports. Et puis ça s'est démocratisé au fur et à mesure du temps. 92, c'était le basket. Hein. Il y avait le 92 avec la Dream Team. Après, nous, on a eu la chance. Enfin, moi, j'ai eu Canal aussi, que j'avais pas avant. Et donc Canal m'a ouvert plus de sports et donc plus de nuits blanches à l'époque. et donc voilà, c'était énorme. C'était des moments incroyables. Enfin. Bon, donc pour toi, clairement, les Français, on sait faire, supporter, on sait faire. Oui, on sait faire, on sait faire. On a quand même des gros groupes de supporters. Enfin, je pense au Cop Basket qui marche très bien, hein, quand même. Après, les irrestifs français pour le foot, on a tous en bleu chez le handball. Mais voilà, on a des groupes qui sont aussi constitués par Fédé pour l'occasion aussi des Jeux. Alors, pas qui se sont créés il y a 8 jours, mais qui ont eu dans cet état d'esprit d'aller jusqu'au cheminement, d'aider à surpasser les athlètes dans leurs disciplines respectives pendant les Jeux. Et on espère que ça va faire un peu comme la Team GB à Londres 2012, où finalement, moi, j'ai eu la chance d'aller aux Jeux en tant que spectateur à Londres. Et il y avait cet engouement de la Team GB qui avait été créée à l'époque autour de ces athlètes anglais. Voilà, on va essayer de faire exactement la même chose, voire mieux. GB, Grande-Bretagne, je précise. Grande-Bretagne, voilà. Et pour nos athlètes français pendant toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'on y tient évidemment aussi. Ouais. On parle beaucoup de Londres, quand même. Tu vois, bah, parce que c'est Londres, un peu une référence. Oui, bien sûr. C'est ceux qui ont été les plus proches dans le temps et géographiquement, je pense. Ouais. Mais on va faire parce qu'ils mieux. Nous ont volé nos JO, surtout. Ouais. Ah non. Je vous rappelle les règles de cette émission, la grande famille du sport. Oriana, c'est qui ton petit fan club perso à toi? Sachant que le CNOSF t'a quand même réservé tes 4 places là pour ta famille, c'est trop cool.
Je suis très, très heureuse de ça parce que franchement, on s'inquiétait beaucoup en tant que sportif de pouvoir avoir la famille à domicile, etc. Surtout que moi, en heptathlon, il faut le dire, c'était encore une situation plus particulière vu que moi, je suis en athlétisme sur 4 sessions, 2 matins et 2 après-midi. Donc franchement, c'était pas gagné d'avance. Donc ça m'a beaucoup soulagée. Et en plus de ça, j'ai pu accéder à la billetterie, etc. pour avoir des places en plus. Donc franchement, il y aurait un beau fan club pour moi, je pense, à Paris, au Stade de France. Et ça, oh là là, ça fait chaud au cœur. Trop mais bien. Quand Fabien parlait de moments de supporters, plus récemment, il y a eu le virage Pinot. Hier soir encore, je me refaisais le documentaire sur le virage Pinot aux cyclistes. Oh là là, wow, mais quelle dinguerie ça encore. C'est des moments de sport inoubliables, que ce soit pour les sportifs ou pour les supporters. Donc ouais, en France, on sait faire quoi. Et ben, en 2024, il y a le virage Lazerac qui se prépare. Le virage. Bien sûr. On peut faire le village aussi. On peut faire le village. On peut faire aussi le club, si tu veux. C'est parti. Parce que c'est sûr que c'est, elle va avoir un stade qui va être complètement acquis à sa cause, quoi. Ouais, bah, certainement, ouais. Voilà, parce que en plus, les résultats, ces derniers résultats-là à Rome, l'ont encore plus projeté sous les feux des projecteurs. Ouais, bien sûr. Parce que c'est quelqu'un qui est super attachant. Mm. Et donc, du coup, nous, on sait, on a la répartition en ce moment des sessions pour les supporters. Et les sessions d'athlé, où notamment Ariana et ont été choisies très rapidement. Enfin, voilà. Donc, voilà, tu auras un gros carré bleu aussi. Au Stade de France, en plus de la famille. Tout un stade, histoire de lui mettre un tout petit peu plus de pression. Non, mais c'est pas l'idée, non, au contraire, c'est de pouvoir les accompagner. Ça va être très chouette. On va faire les choses bien. Fred, pour faire un petit pas de côté, toi et moi, on a passé pas mal de temps aux USA. Et c'est vrai que les Américains ont cette capacité quand même à transformer le moindre événement sportif en une espèce d'énorme fête. Pour exemple, le Super Bowl, les X Games, même les finales NBA, c'est juste à chaque fois démentiel. Exact. Nous, on voit quand même encore des tribunes vides en finale de Roland-Garros. Hein, c'est des images qui nous font... ça nous fait flic, mais en attendant, elles arrivent encore. Comment tu expliques ça? C'est quoi la diff? C'est une religion, le sport. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont dit que la France n'était pas un pays de sport, et je suis d'accord. Culturellement, ce n'est pas un pays de sport. C'est un pays où on réussit dans le sport. Parce qu'il y a des associations, parce qu'il y a des gens qui travaillent en amont, mais on n'est pas vraiment un pays de sport. C'est-à-dire qu'en gros, quand on parle de payer pour regarder du sport à la télé, tout le monde, non, c'est pas normal, etc. Sauf que ça pousse certains contrats pour regarder du sport, ça coûte moins cher que des paquets de clubs. Donc je me dis que voilà, il faut vraiment que ça rentre un petit peu plus dans la culture. J'ai joué en Espagne aussi, j'ai joué en Grèce, oui. Où c'est des religions vraiment, le sport là-bas. C'est quelque chose d'assez incroyable. Alors il y a parfois des débordements, hein. Évidemment, il y a des débordements parfois et je les condamne évidemment. Sauf qu'il y a quand même un engouement qui est incroyable. Ils vivent pour leur sport, ils vivent pour le basket, dans mon cas de figure. Et c'est vrai qu'on ne le retrouve pas toujours, même si je trouve, et effectivement, là, c'est là que je te rejoins, que ça progresse énormément. Ouais. Je vais voir dans les salles de basket, maintenant, il y a des copes qui sont créés, il y a l'ambiance, il y a de l'énergie, et c'est ce qu'on a envie de voir, mais culturellement, c'est pas de chez nous, en fait. Je t'avais fait une petite vanne, mais donc, du coup, tu l'as flinguée. Mais ma vanne, c'était, tu t'es entraîné à l'étranger, en Espagne, en Grèce, aux USA, à Limoges. Lol. C'est l'étranger aussi. Ouais, c'est pour ça, je trouve ça rigolo. Parfois, je suis obligé de comprendre ce que vous me dites, le traduire en limougeau. Peut-être que sur le fonduc, elle a carrément marqué vraiment lol. Il y a écrit lol sur le fonduc. Mais Limoges ont créé leur propre groupe de supporters, qui est un groupe ultra d'ailleurs. Nous, on a un groupe ultra en basket. Absolument. À Limoges, quand même. Et ça se déplace. Enfin, moi, je les suis régulièrement dans leurs épopées. Enfin, ça n'existait pas il y a encore 10 ans. Ça n'existait pas. Alors, tout le monde dit qu'il y a des débordements. Je trouve que pour du sport, c'est vraiment il y a très peu de débordements. Ils sont très actifs et je trouve ça hyper intéressant ce qu'ils proposent, vraiment. Et victoire, défaite aux US, ouais, c'est... Honnêtement, dans beaucoup d'endroits, la victoire ou la défaite ont peu d'importance, finalement. Même en Grèce, même en Espagne, ce que les gens viennent, c'est plus pour voir un spectacle. Et c'est vrai que nous, on a plus l'envie de gagner. C'est-à-dire que si on gagne, les supporters vont être là. Si on perd, moins. À l'étranger, c'est un petit peu moins ça. Ils sont pas très sympas. Voilà, mais à l'étranger, c'est un petit peu moins. C'est vraiment l'ambiance d'être sur le sud. Ouais, et puis ils ont l'attachement à leur ville aussi. Bien sûr. Là, il y a aussi cette culture du club de ma ville. Je pense à la Grèce. La Grèce, quand on voit les salles au basket, c'est dinguissime, quoi. C'est des choses qui sont... Ils ont transféré la culture foot dans des salles avec des choses qui seraient totalement inimaginables ici. Et puis parce qu'il y a une certaine
possibilité en plus. Enfin, je pense que il y a des débordements, mais ça n'a, enfin, il n'y a jamais eu de mort d'homme entre guillemets. Quand on voit des fumigènes dans les salles en Grèce, ouais. Sauf qu'en France, on est tellement respectueux de la loi par rapport à ça qu'on n'irait pas sur ça. Mais moi, par exemple, j'ai joué au PAOK Salonique. Et donc, il y a nos ennemis jurés, c'est Larisse Salonique, qui joue au PAOK. Et en fait, dans la même ville, notre famille n'avait pas le droit de se déplacer pour aller voir le match quand on jouait contre Larisse. C'était la même ville, on était à 10 minutes, un quart d'heure d'un endroit à l'autre, quand la circulation fonctionne, c'est-à-dire que jamais. Mais concrètement, on n'avait pas le droit d'aller dans la salle de l'autre parce que ça pouvait être, entre guillemets, dangereux parce qu'il y avait peut-être des débordements. Ouais, et puis les supporters, ils arrivent bien avant le match, ils sont à donf. En fait, le spectacle, il commence avant le match. Mais c'est vrai que nous, quand on regarde un peu les matchs de basket, les mecs arrivent un quart d'heure avant le début du match. En Grèce, ils sont là depuis une heure et demie. Le derby, c'est cool. Bah ouais, faut en profiter, quoi. Alors, on va écouter. C'est comme si on manquait de fierté en France, c'est fou, alors qu'on est chauvin, etc. Je comprendrais. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que je comprends pas parce que. Franchement, en France, on aime nos villes, on aime dire qu'on est de tel pays. Moi, je suis Mosellane, je suis fière de le dire, etc. Tu viens d'où? Donc, les gens de Moselle. Moi aussi, moi, je suis né à Thionville. Ok, bah on va mais non. Oh, parfait. Et ben voilà. Je savais bien qu'on s'entendait. Et on est fiers de le dire, tu vois. Bien sûr. Et ben franchement, je trouve que les supporters, etc., ils devraient avoir la même fierté, partager ce genre de choses et venir nous supporter, venir supporter nos couleurs, venir supporter. C'est en train de changer. Voilà, sur les honnêtement, jeux, je pense que ça va être le cas, Oriana. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Eh bien, tu vois. Et peu importe le contexte, justement, le sport, ça nous fait des parenthèses dans nos vies, que ce soit en tant que sportif ou en tant que personne normale ou même supporter et tout. Donc, ça nous fait sortir de notre contexte de vie et de tous les problèmes qu'il peut y avoir, comme tu as pu l'évoquer. Et franchement, ça fait du bien. Pourquoi se refuser ça? Bah ouais, pourquoi se refuser ça? Venez. Venez crier, venez. Révolution. Vivement les jeux. Bon, écoutez, un joueur de NBA actuel, l'intérieur des Bucks de Milwaukee. C'est qui? Giannis, j'imagine. Évidemment. Oui. Antetokounmpo. Je l'ai bien dit ou pas? Antetokounmpo. Après l'élimination de sa franchise l'an passé au premier tour des playoffs NBA. Écoutez ça. Do you get a promotion every year on your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? No. Every year you work towards something, towards a goal, right? Which is to get a promotion, to be able to take care of your family, to be able, I don't know, provide a house for them or take care of your parents. You work towards a goal. It's not a failure. It's steps to success. It's a wrong question. There's no failure in sports. You know, there's good days, bad days. Some days you are able to be successful. Some days you're not. Some days it's your turn. Some days it's not your turn. And that's what sports is about. You don't always win. Some other people's going to win. And this year, somebody else is going to win. Simple as that. We're going to come back next year, try to be better, try to build good habits, try to play better, not have a 10-day stretch with playing bad basketball. You know, and hopefully we can win a championship. So 50 years from 1971 to 2021 that we didn't win a championship, it was 50 years of failures. No, it was not. It was steps to it. You know, and we're able to win one. Hopefully, we can win another one. Il n'y a pas d'échec dans le sport, mon cher Fred. C'est faux. C'est faux. Alors, j'adore Giannis Antetokounmpo, hein, qui a une vie incroyable. Il y a des documentaires. Si tu aimes les documentaires, justement, c'est l'occasion d'en regarder parce qu'il a une vie assez incroyable et avec ses frères, etc. Mais il y a bien sûr qu'il y a des échecs. Tu comprends pas qu'on puisse lui poser la question de dire. Je comprends qu'on puisse lui poser la question, évidemment, mais je comprends pas sa réponse. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'en gros. Tu as gagné un titre NBA, la saison suivante, tu es éliminé au premier tour des playoffs NBA. Tu es premier de ta conférence et tu joues contre le dernier, le huitième. Les plus nuls. C'est schématique, mais effectivement, c'est censé être les plus nuls. Tu perds au premier tour contre eux. Bah, concrètement, c'est un échec. Mais il n'y a pas de honte. En fait, oui, alors toi, tu dirais l'échec existe, c'est juste qu'il faut l'assumer. Il faut continuer à travailler. Ça fait partie du processus pour gagner plus tard, évidemment. Oui, oui. Sauf que l'échec, de dire que l'échec n'existe pas dans le sport, évidemment qu'il existe. Et heureusement. Ouais. Parce que tout le monde ne peut pas gagner en même temps. Vous faites une sémantique un peu différente, mais en fait, vous êtes relativement aligné dans la philosophie. Oui, mais cette façon de se protéger en disant que l'échec n'existe pas dans le sport parce que c'est le leader de cette équipe, elle me dérange un poil. Oriana, tu en penses quoi, toi, de ça? Non, moi je suis d'accord. En fait, c'est un peu d'ego de dire que l'échec n'existe pas. Bien sûr que si, l'échec existe, ça fait mal, c'est dur, etc. Mais moi j'ai l'habitude de dire que les grands champions, soit ils rebondissent. Donc forcément, quand on échoue,
le seul moyen pour un champion de revenir, bah, tu rebondis et tu recommences, quoi. Mais dire qu'il n'y a pas d'échec, c'est une réalité qui n'existe pas. Donc, c'est ça aussi. On n'accepte pas l'échec, parce que du coup, on revient plus fort. Ouais. Mais par contre, l'échec existe. Alors, ta médaille d'argent aux Euros, si je veux être un peu taquine, pour toi, c'est un très bon résultat ou c'est un échec? C'est un très bon résultat. Je ne pouvais pas espérer mieux parce que bah, devant moi, il y a quand même la double championne, olympique, triple championne d'Europe, voilà quoi. Et derrière moi, il y a quand même la championne du monde en titre à l'intérieur, donc en salle. Donc franchement, non, ce n'est pas un échec. Mais c'est vrai que pour rebondir là-dessus, l'année dernière, je fais vice-championne de France et j'étais hyper heureuse. J'avais battu mon record, etc. Mais... en revenant chez moi dans la voiture, j'en ai pleuré parce que bah, j'avais pas gagné. Ouais. Il y avait quelqu'un encore devant moi. Donc là, je m'en satisfais. Je suis vice-championne d'Europe, mais l'année prochaine, ce sera pas la même, quoi. Est-ce que c'est compliqué parfois quand t'es athlète et justement que tu ramènes pas l'or, tu vois, de... parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils te disent souvent quand tu ramènes pas l'or ou que t'es pas sur un podium de manière générale, c'est vite associé à un échec, quoi. Bah oui, et c'est difficile à vivre parce que les gens s'intéressent pas forcément à le pourquoi du comment. Mmh. Là, par exemple, je viens de le dire, devant moi, celle qui est devant moi, elle m'a mis 200 points, c'est quelque chose d'énorme, la marge, c'est pas 20 points, vous vous rendez compte. Et elle a un palmarès qui est immense. Moi, c'est mon premier titre à l'international, donc il faut bien se rendre compte de la différence. C'est pareil, il y a d'autres disciplines en athlée, avec par exemple Armand Duplantis à la perche ou Femke Bol sur le 400 haies. On sait bien que ces personnes-là, c'est des ovnis. Donc faire deuxième derrière des extraterrestres comme ça, c'est pas un échec, les gars. Faut relativiser. Mais intéressez-vous, demandez-vous pourquoi on fait deuxième, pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur le podium, qui c'est qu'il y a eu devant, les circonstances de course. C'est ça aussi qui fait vivre l'histoire du sport. Et franchement, c'est là où je trouve que cette année, on a été fort en athlétisme. L'équipe de France s'est surpassée, on a tout donné, on a pris des places comme ma deuxième place, comme la deuxième place de Louise Maraval, par exemple, la troisième place de Mackensen Gletti, qui était inenvisageable, par exemple, avant les championnats d'Europe. On a été au bout de nous-mêmes, on a pris toutes les médailles qu'on pouvait prendre, quoi. Et ça, c'est fort en athlé. Elle parle bien. Ah, on l'aime bien, on l'aime bien, on l'aime bien. Et encore, t'as quand même pas la même structure d'entraînement que Nafissatou. Non, en plus, on s'entraîne pas du tout pareil. Ouais, faut le dire quand même. Toi, tu t'entraînes chez toi, toute seule, avec ton entraîneur, qui est même pas un entraîneur... Enfin, tu vois, c'est un entraîneur de... T'as un entraîneur en carton, c'est ça qu'elle est en train de dire. Non, j'ai pas un entraîneur en carton, par contre... Non, mais son histoire, elle est belle. Mais oui. Ouais, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus aidés, ça nous arrangerait tous les deux. Son histoire, elle est belle. Je m'entraîne pas seule, j'ai quand même un groupe. Alors, Fabien, oui, quand même un groupe. Non, mais parce que faut le préciser, Coriana, elle s'entraîne... Enfin, son entraîneur, quand même, ça a précisé, c'est un professeur de PS. Magnifique. Tu vois, elle s'entraîne avec des scolaires, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, lui, il n'est pas du tout déchargé pour m'entraîner. Il est au lycée de 8h à 16h et après, il vient m'entraîner, quoi. Ouais, c'est dingue. Son taf, c'est pas seulement de réfléchir à mon entraînement et à se dire « Ah oui, on va faire plutôt ça à ce moment-là, la planification, hein, ça va être ça. » C'est du temps qu'il doit prendre en plus de son travail pour que ce soit très bien millimétré et que j'arrive à ce niveau-là. Donc, ouais, ça demande une exigence de sa part. Un vrai pays de sport. Un vrai pays de sport. Non, mais c'est fou, non, enfin, moi, amen. Rassure-nous, il est quand même accrédité pour les Jeux, là. Ah, enfin. Oui, mais il vient avec la maternelle juste à côté. Non, enfin, il vient avec parce que... le 6e-4. Mais en plus, je me souviens qu'on en avait parlé. Franchement, heureusement que je fais ce résultat-là aux Europes, parce que c'était encore en balance, etc. Et franchement, en tant que sportif, et du coup, moi, maintenant, je suis rassurée, mais il y en a encore beaucoup derrière moi qui ne sont pas rassurés et qui se posent la question s'ils vont pouvoir avoir leur entraîneur à côté du stade, ce qui est pas normal, il faut le dire, parce que c'est l'entraîneur, c'est celui qu'on voit tous les jours, c'est celui qui nous connaît le mieux, c'est celui qui a même de nous amener à un résultat le meilleur possible. Comment est-ce que tu veux être en confiance et performant le jour où il faut, si t'as même pas la personne avec qui tu t'entends le mieux? Ouais. C'est incroyable. Eh bien, l'alerte est lancée. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas le droit de faire des coups de gueule. Elle vient d'en faire un et elle a le droit. Pardon. On en parlera à nos amis de la FFA. J'avais prévu de les désinguer un tout petit peu plus loin dans l'émission, mais voilà, c'est fait. Fabien, faut savoir qu'eux, ils font quand même leur possible. Ça vient pas forcément d'eux et là-dessus, faut quand même le dire, ils essayent de nous mettre dans les meilleures dispositions possibles, seulement parfois ça vient de plus haut, quoi. Que les gens qui sont un peu extérieurs à ça comprennent bien le sujet, en fait, il y a un certain nombre de places dans le village olympique notamment et en termes d'accréditation, parce que vous vous rendez bien compte que c'est une machine de dingue. Et évidemment, quand les athlètes ont des coachs perso
pour des raisons X ou Y, hein, mais ça devient très compliqué de rassembler assez d'accréditations pour tout le monde. Et c'est un problème récurrent. Hein, et s'il y avait une solution magique, on l'aurait déjà essayer de trouver des solutions justement pour que les entraîneurs puissent venir. Parce que l'athlétisme, il y a quelques mois, on pensait qu'on ferait 0 médaille au jeu. Hein. Hmm. Et on pensait que ça serait une catastrophe. Moi, j'annonce 4. Tout à fait. Alors ah, ok, comme ça. 4. T'en fais partie ou pas dans les 4? Peut-être 5 du coup. Ok, right. Fabien, je vais y arriver au jeu, toi, en tant que supporter. Tu cherches quoi? Tu cherches de l'or, tu cherches des podiums, tu cherches des émotions. Après quoi tu cours? Non, moi, je cherche juste à ce que les athlètes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et que nous, on soit derrière eux pour avoir ce 0,1% de truc en plus qui fait que peut-être... ce jour-là, ils passeront de la 4e à la 3e ou de la 2e à la 1ère place ou peut-être qu'un athlète qui n'avait finalement pratiquement pas de chance de sortir des qualifs et qui passe en demi, voire en finale d'une compétition d'athlétisme ou de lutte ou quoi que ce soit. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de dire on a des athlètes qui, de toute façon, vont faire ce qu'ils peuvent et vont tout donner parce que c'est les jeux à la maison, et bien nous, on est juste là, en plus, pour les amener ce petit supplément d'âme, ce petit supplément de faire vibrer, en fait, la salle. Enfin, on a un exemple avec... on a été supporter l'équipe de France de badminton dans une salle qui était quasiment vide. On a d'abérqué à 100 dans cette salle-là. Et le double, qui n'avait finalement quasiment aucune chance de se qualifier, passe. Et du coup, les athlètes viennent nous voir à la fin et nous disent... Mais en fait, si on passe, c'est parce que vous êtes là. Et parce qu'à un moment donné, ça ne va pas. Et vous êtes là, vous êtes derrière nous. Et ça nous a refilé un coup de boost. En face, l'équipe se demande ce qui leur arrive parce qu'ils ne sont pas du tout prêts à devoir débarquer 100 personnes dans la salle. Et ils disent, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on va chercher, nous. On va pas... Magnifique. Après, si on a des médailles d'or, si on a des médailles d'argent, si on a des médailles de bronze, ce sera génial. Mais que l'athlète aille juste qu'il peut aller, et puis ce sera très bien. C'est cool. Magnifique. Discours. Chouette, chouette, chouette. Oui, tout dans l'altruisme, oui, et tout, ouais, oui. On adore. Vous avez de la chance d'avoir des supporters comme ça, Oriana, vous allez kiffer. C'est clair. Et puis, il faut quand même le dire quand même aux athlètes qui vont regarder ça, faut pas se mettre la pression parce qu'il y a justement des gens qui vous regardent. Justement, comme il l'a super bien dit, ils sont là pour nous. Donc, faut en profiter et surtout, pas se mettre une pression supplémentaire en mode « Oh, faut faire quelque chose que j'ai jamais fait parce qu'ils nous regardent. » Non, faut faire ce qu'on sait faire et en profiter un maximum. Bon, en tout cas, aux Europes, tu as battu 6 records perso sur 7 épreuves. Donc, écoute, en attendant que tu battes tes 7 records aux Jeux Olympiques, il y a quelque chose d'autre qui est en train de se mettre en place. On en parle tout de suite. Et pendant ce temps-là, ma chère Marie, la Bleu Mania se met en place. Et qu'est-ce que c'est, la Bleu Mania? Alors, on a appelé un chat, ça s'appelle tout simplement « Allez les Bleus ». Voilà, et je commençais à être infusée par cette mania. Le principe est simple, un carré de supporters dont les places sont financées conjointement par le CNOSF et le ministère des Sports pour créer de véritables tribunes ou endroits dédiés dans les tribunes de supporterisme français. Alors, donc évidemment, Fabien, toi, tu en fais partie, précisément au sein de la comité des leaders, les irrésistibles français mobilisés, plutôt issus du supporterisme football, mais au départ, mais vous avez vraiment élargi. J'ai appris en prépa l'émission que vous, comme les athlètes, vous vous êtes entraînés. Ouais, on a fait des sessions, c'est-à-dire qu'on s'est entraînés, on part de rien, c'est-à-dire il y a 5 ans, le CNOSF vient taper à la porte des irrésistibles français, vient dire, on sait ce que vous êtes en capacité de faire, puisqu'on... On sortait de la Coupe du Monde de foot. Vous êtes la plus grosse association de supporters d'une équipe de France, parce qu'on est plus de 2000 adhérents. Nous, on a l'objectif de vouloir créer des supporters pour les athlètes olympiques. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Et donc, on tape dans la main, on dit banco. Et on part de zéro et on est 1000 aujourd'hui. Il y a 1000 leaders qui ont été désignés par les fédérations respectives. Et puis aussi des gens qui sont reconnus dans ce projet. Aider les athlètes pendant tous les Jeux. Et donc, oui, on a fait des répétitions
en conditions réelles, match de water polo, je disais tout à l'heure le badminton, on a fait le basket, on a été, on n'a pas fait de cyclisme encore. Okay. Non, le virage Pinot, c'était pas nous, c'était plutôt la FFL qui avait fait ça. Même en piste, vous avez rien fait si, pour les mondiaux. Si cyclisme en piste, on a fait à 50 ans en Yvelines, pour un premier. Tout à fait, 50 ans en Yvelines, on a fait l'escrime, on a fait le basket, non, on a fait le rugby fauteuil. Vous vivez votre meilleure vie, en fait. Ouais, on vit, quand on est passionné de sport, ouais, on vit sa meilleure vie. Mais je pense que la meilleure vie qu'on va vivre, c'est celle qui démarre bientôt, là. Parce qu'on va vivre des moments incroyables. On a la chance, effectivement, pour tous, d'aller dans des sessions qui vont nous faire rêver. Enfin, moi, j'ai la chance, par exemple, de pouvoir animer les finales de judo de plus de 100 kilos chez les hommes et plus de 78 chez les femmes, c'est-à-dire Dico et Rinner. Ouais, enfin, voilà, c'est quand même quelque chose qui, jamais, si on m'avait dit, il y a 5 ans, tu vas pouvoir aller aider potentiellement Teddy à aller chercher sa médaille d'or. Bah, j'aurais signé avec les deux mains et les pieds. Enfin, voilà, j'ai des sessions incroyables, des choses. Mais après, c'est un investissement qui a été aussi très long, parce que ça fait 5 ans qu'on fait ça sur notre temps libre, hein, aussi. C'est de l'investissement personnel. On a passé quelques heures sur les routes, quelques heures à se gratter la tête, parce que c'est pas simple d'infuser le supporterisme au sein du CIO. Créer des groupes de supporters dans des jeux qui se veulent finalement assez lisses. Moi, j'ai quand même des souvenirs de Londres où j'avais été voir un Angleterre-Canada au hockey et c'était hockey sur gazon et c'était quand même assez lisse. Enfin, il n'y avait pas ce sentiment et là, on va se dire « Ok, là, on va rentrer dedans, tambour, drapeau, écharpe, enfin, on transfère la… » la culture foot à la lutte, au tir à l'arc et à l'escrime, ben, ça risque de choquer un certain nombre de personnes, mais tant mieux, parce qu'on est aussi là un peu pour ouais, créer autre chose. Un peu aussi ouais, ça va bousculer un peu les choses. Enfin, ouais, on a fait des choses déjà qui ont bousculé, mais tous, dans tous les endroits où nous sommes passés, tous les athlètes nous ont dit que c'était incroyable. Trop bien. Le dernier moment, là, c'est le water polo féminin. On a été donc au nouveau centre aquatique qui vient d'être inauguré et les filles sont venues nous voir à la fin, donc elles ont joué les championnes olympiques en titre, donc forcément c'était compliqué, mais elles étaient hyper contentes d'avoir eu ce moment de cette relation, ce moment de partage, de communion à la fin, parce que même si elles ont perdu, elles ont joué le jeu, elles sont venues nous voir, enfin voilà, et c'est tout ce qu'on cherche, voilà, de toute façon on est là pour ça, on est là pour les pousser, c'est ce qu'on va s'amuser à faire pendant. Et attends, tu parles de 1000 personnes. Ouais. Ça veut dire que tu connais les 1000 personnes ? Non, on est en train de se rencontrer les uns après les autres. Nom, adresse. Non, moi j'en connais une centaine à peu près. Okay. Non, une centaine à peu près. Mais non, on est 1000 et de toute façon on ne connaîtra pas tout le monde parce que par exemple, ceux qui seront à Châteauroux vont rester à Châteauroux. Bien sûr. Voilà. Donc après, il y a le plus gros volume est évidemment basé sur l'Île-de-France parce que la majorité des compétitions sont en Île-de-France. Mais on a par exemple chez nous, chez les Irrésistibles français, on a une équipe qui va sillonner la France pour supporter les équipes de France de foot, féminines et masculines. Donc on va sortir de l'Euro et on va se plonger directement dans les JO. On n'a pas de temps de répit. Mais c'est. Ouais, après, c'est. Puis après, chaque fédé a aussi son organisation un peu interne. On a des rencontres régulières. Là, on fait des after-work pour pouvoir discuter entre nous, s'échanger les pratiques. Ouais, c'est ce que je me demandais. Par exemple, la fédération de volleyball a créé quelque chose, mais il n'y a pas de culture supporterisme. Donc, on discute avec les copains du Cop Basket pour leur dire, bah, voilà, on peut aussi faire ça comme ça. Et puis, il faut aussi travailler sur. Nous, on essaie de travailler aussi sur le fait que le supporter va avoir sa place pendant les Jeux. Il y a aussi, aujourd'hui, il y a les Jeux, mais beaucoup d'événements sportifs sont aussi maintenant très, très américanisés, très chauds, avec beaucoup de sono, beaucoup de cam dance, cam, ouais. etc. Et en fait, nous, on essaie de se dire, laissez aussi la place à l'intuition, au moment qui se passe, voilà, je pense au water polo, où en fait, il y a un moment qui se passe, et il faut qu'on travaille avec les animateurs pour dire, laissez-nous cette place-là, parce qu'à ce moment-là,
les athlètes, ils ont envie de communier avec nous, c'est pas la peine de mettre la sono à fond, quoi. Voilà, parce qu'on est là et, ouais, et ça suffit. Fait. On fait assez de bruit. Non, mais c'est voilà. Puis c'est aussi cet échange. Je pense que les athlètes ont besoin de ça et vont avoir besoin de ça, donc autant laisser un peu la place à ça. Et on vous retrouvera au Club France aussi. Ils seront avec nous, Marie. Bien sûr, on sera là. Les célébrations. Et des médailles. On leur laissera bien la place et on fera chute au moment où c'est eux qui. Tu nous feras un signe. On se mettra d'accord. On y sera peu parce qu'on sera partout, mais il y en aura d'autres. Tu passeras le mot à tes collègues. On sera. Le message sera passé. Alors, pour performer sur ces jeux à domicile, nos Bleus pourront aussi compter sur leur chef de file sportif, véritable représentant des athlètes et des Français en règle générale. J'ai nommé les porte-drapeaux, dont la liste officielle des candidats a été dévoilée. On en parle tout de suite dans Quoi de neuf, docteur ? Me donne envie de danser, moi, cette musique à chaque fois. Alors, les candidats porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques et Paralympiques ont été dévoilés le 13 juin dernier par le CNOSF. Du coup, forcément, je vous propose qu'on regarde ensemble tout de suite le clip de présentation des athlètes, des candidats. C'est parti. Eh bah oui, tu dois prendre ça en considération. Ouais, je suis sûre. T'as pas de faire un job d'été. Non, mais j'ai pas envie d'être ça. Oh, ça y est, on a eu la liste des porte-drapeaux. Ah ouais. Quoi? Mais non. Wendy, Renard, Algo, vas-y. Estelle, Mousseline, Sofiane, Oumia, Erwin Ngapet, Pauline Ranvier, Alexis Anquincan, Antonin Keita, Mélina Robert Michon, Enzo Lefort, Charlotte Bonnet, Florent Macadou, David Smetani, Renaud Lavillenie, Roman Dico, Jean-Baptiste Bernaz, Camille Lecointre, Nelia Barbosa, Laetitia Guapo, Hélène Voilà. Alors les porte-drapeaux, tous les 4 ans, j'ai envie de dire, on a des différentes façons de les nommer, de les voter. Alors cette année, c'est assez simple. Il y avait une certaine liste de critères à remplir, respecter la charte des valeurs olympiques et paralympiques, répondre aux critères d'exemplarité, ça reste un petit peu subjectif, avoir participé au moins une fois au jeu et ne pas avoir été porte-drapeau précédemment. Une fois ces critères remplis, les fédés ont choisi un garçon, une fille, un binôme à proposer à cette grande liste que vous venez de voir. Et évidemment, maintenant, c'est aux athlètes qui feront partie de la délégation de voter et d'élire leur chef de file, comme tu l'as dit, Max. Le truc étant qu'il n'y aura jamais de deux athlètes issus de la même fédération qui porteront le drapeau. Voilà, on ne pourra pas avoir deux athlètes ou deux basketteurs, On dit basketteuse ? Oui. On dit basketteuse. Ok. Donc, date de révélation des porte-drapeaux, le 12 juillet 2024, c'est très très bientôt. Eh oui. Oriana, il y a deux athlètes issus de l'athlétisme. Mélina Robert-Michon, elle-même, et Renaud Lavillenie, qui n'est pas encore qualifié. Ça te plairait que ce soit quelqu'un de ta discipline, toi, qui soit porte-drapeau ? Mais bien sûr, bien sûr. Je pense que tous les athlètes rêvent que ce soit Mélina, Robert Michon un minimum et Renaud s'il arrive à se qualifier. Parce que Mélina, elle a fait tellement de Jeux Olympiques qu'on n'arrive plus à les compter, déjà. Donc rien que pour ce critère-là, il faut que ce soit elle. Et puis elle représente toutes les valeurs de mon sport, du sport en général. La longévité, la performance, les médailles. Et puis, c'est une mama. Genre, moi, je l'ai rencontrée l'année dernière quand j'ai fait mes premiers mondiaux d'athlétisme. Et je peux dire qu'elle prend soin de tout le monde. C'est la personne avec qui j'ai parlé en premier et qui m'a fait sentir que je faisais partie de l'équipe de France d'athlétisme. Donc, pour que ce soit l'équipe de France olympique, mais tout le monde sera heureuse que ce soit elle qui nous aide et qui soit notre référente. Je pense que ce serait une excellente porte-drapeau. Et en ce qui concerne Renaud, en fait, peu importe, parce que quand c'est notre sport qui porte le drapeau, on est forcément très fiers. Ça sera ses 7e jeu à Mélina, quand même. Ah, mais on a vu, on comptait plus, du coup. Bah ouais, Et Oriana, juste parce que tu réponds trop bien aux questions, petit quiz, est-ce que tu sais qui elle a été la dernière porte-drapeau issue de l'athlétisme? C'est Marie-Jo.
Oui. Oui, c'est Marie-Jo. Elle est encore, mais elle est trop. Elle est, oh là là, Nana, elle est trop parfaite, c'est chiant. Oh. En tout cas, elle est partie en campagne pour Mélina. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, c'est bien. Tu fais une bonne attachée de presse. Tu seras à la cérémonie d'ouverture ou pas? Bien sûr. Franchement, même si j'avais commencé l'heptathlon le lendemain, j'aurais quand même fait la cérémonie d'ouverture. Attends, cérémonie d'ouverture à Paris, c'est notre moment, bien sûr que j'y serai. Oriana, elle fera tout, voilà. Elle fera tout de ces jeux. Et j'irai supporter les gens après, si je peux, si le coach m'autorise, j'irai supporter les gens. Avant, moi... comme aux Europes. Comme aux Europes. Voilà, exactement. Je suis team équipe de France. Fabien, tu penses quoi de cette liste de candidats? Si tu pouvais voter, tu voterais pour qui, toi? Si je pouvais voter, je voterais pour Mélina, parce qu'elle vient de le dire, donc je ne vais pas répéter. Elle fait l'unanimité. Et puis après, moi, c'est subjectif, mais je voterais pour Erwin, parce que je suis volleyeur et que c'est le mec qui m'a le plus fait rêver depuis que je regarde du volley à la télé. Enfin, voilà, et donc, je pense que voilà, j'aimerais bien qu'il y soit, mais... Fred, toi, en 2000, tu aurais pu porter le drapeau et David Douillet en même temps? Oui. C'était encore une petite blagounette. Oui. Mais celle-là, j'ai compris, tu vois. Non, ton avis, évidemment, sur cette liste de candidats, et voilà, un pronostic. Alors, pronostic, j'espère que ce sera un ou une athlète, parce que je pense que c'est le sport qui correspond le plus aux Jeux Olympiques. Donc mm-hmm. C'est pour ça que un ou une athlète, j'ai pas de préférence avec Mélina ou qui que ce soit, mais par contre c'est vrai qu'une athlète ce serait bien, un ou une athlète, parce qu'encore une fois, pour moi quand je pense aux Jeux Olympiques, premier truc qui te vient c'est l'athlétisme, donc logiquement, et ensuite je pense que je ne mettrais pas de sport co, parce que c'est un peu trop récent, même si j'adorerais qu'il y ait évidemment un basketteur qui représente, mais je ne mettrais pas de sport co, je mettrais de la natation je pense, parce que c'est pourvoyeur de médailles, et que ça peut être sympa, voilà. Bon, du coup, comme il n'y en a qu'un, c'est Florent, donc on irait voilà, sur Florent. Voilà, moi, j'irai sur lui, oui. Ok, enfin, si okay, on passe l'expression, évidemment. Je porterais Florent, et tout le monde avec le monde. Tous, avec le drapeau. Bon, en tout cas, ce qui est certain, et c'est d'ailleurs le plus grand rôle d'un porte-drapeau, tu l'as très bien dit, Oriana, c'est qu'il faudra une grande cohésion pour que cette délégation française unifiée, Oli et Para, vu que tu aimes bien ces petits termes, Fred, soit performante à domicile. Yes, we can. Alors, intégrer le top 5 des médailles pour les JO. C'est l'objectif fixé par le président Emmanuel Macron le 23 janvier 2024 lors des vœux olympiques et paralympiques. Top 8, il a dit, pour les paralympiques. Alors, il y a un petit institut qui a fait son prono aussi. Il y a plein d'instituts qui ont fait un petit peu des sondages. Et il y en a un qui est ressorti, en tout cas, qui a classé la France le plus haut. C'est l'institut Nielsen-Grasnot qui considère, lui, que la France devrait finir cet été sur la troisième marche du podium. Alors ça va être chaud. Avec 27 titres et 54 médailles au total. Chaud. Ouais, derrière les États-Unis et la Chine. Ouais, j'avoue. Ambitieux. Bah, on rappelle que la France avait terminé 8e aux JO de Tokyo avec 33 médailles, dont 10 en or. Donc c'est vrai que ça paraît faire quand même un sacré gap. Hein. Ça paye plus, c'est doublé le nombre de titres. Ouais, mais le home advantage, le fait de jouer à la maison, pourquoi pas. Et aussi, surtout, qu'il y a des surprises. On l'a vu en athlétisme. Encore, je me répète, mais il n'y a pas si longtemps, on disait que c'était la crise, que c'était une catastrophe, l'athlétisme français. Et on voit que finalement, ça peut aller mieux et qu'on s'est préparé pour ces Jeux Olympiques. Donc, pourquoi pas? Oui, bah écoute... Pour reprendre l'exemple de l'athlétisme, là, les championnats d'Europe, c'était en Italie. Et les Italiens, ils ont fait la razzia de médailles. 24 médailles, dont 11 en or. Ouais. Et ils étaient chez eux, quoi. Ils ont laissé la place à personne. Donc, nous, là, on était deuxième nation derrière les Italiens. Je peux te dire qu'à la maison, on est soudés comme jamais. On est on fire comme jamais. On va laisser la place à personne. Y a quoi? OK, donc ma question, c'était est-ce que ça vous semble être un objectif atteignable ou irréaliste? Donc, on est aligné sur cette fameuse, sur cet institut Nelson Grasnot. Top 3. Non, alors pas aligné, parce que c'est... Honnêtement, moi je des chiffres, pragmatisme. Et voilà ce que j'allais dire, je déteste ce genre de chiffres. Là, un mec a mouillé son doigt en disant tiens, ce serait pas mal qu'il soit troisième, c'est des conneries. moi, j'espère qu'on aura le plus possible, qu'on sera bien classé. Top 5, ça me paraît réalisable, même si ça sera dur déjà. Et pourquoi pas voir ce qu'on peut faire après. Pouvoir arrêter un petit peu avec ces instituts tout pourris qui racontent que des conneries. Est-ce qu'ils avaient prévu qu'on allait dissoudre l'Assemblée peut-être aussi? Non, ils ne savaient pas. C'était pas dans le top 3. Donc, tu vois. La robinette d'eau chaude pour Frel, c'est noté.
note, hein, robinet d'eau chaude. OK. Alors attends Marie, parce qu'il y a aussi tout ce qui a été mis en place par le CNOSF et oui. la CAN pour oui. que les athlètes soient dans les meilleures conditions possibles avec le Club France, un super village olympique dans lequel on pourra par exemple retrouver une crèche, incroyable ça, mm-hmm. ou encore un espace dédié à la santé mentale, un accueil dédié à chaque staff, délégation au village. Il y a vraiment de nombreux temps de cohésion qui sont prévus par la CAN avec, et puis d'ailleurs il y avait les week-ends bleus, tout ça qui avait été organisé, c'était magnifique. Oriana, toi qui vas participer du coup à ces Jeux, est-ce que tu as le sentiment que tout a été vraiment bien fait, tu vois, et que tu vas arriver et qu'il va y avoir une cohésion de malade et que ça va être génial? Bah franchement, moi j'y crois. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas parce que tout a été fait dans ce sens. Donc moi je pense que ceux qui ont réfléchi et qui étaient sur le projet, ils ont fait de leur mieux. Et moi j'ai trop hâte d'aller voir tout le monde au village olympique. Tu parlais d'Erwin Engapet, mais qu'est-ce que j'ai envie de petit déjeuner avec Erwin Engapet, quoi. Oh, il y a un date, il faut qu'on organise un date. Ça c'est noté, le rendez-vous est pris. Non, mais bien sûr, je pense qu'on sera tous très heureux de se retrouver en bleu tous ensemble au village olympique et on se supportera les uns les autres parce que c'est l'esprit bleu, parce que peu importe si on est dans notre compétition, on représente la France, donc forcément, on est ensemble, on se check et let's go. Fred, toi, t'as souvent, enfin pas souvent, mais tu as abordé les soucis de santé mentale, de la dépression, le suivi des athlètes de haut niveau, c'est quelque chose qui te parle. Est-ce que tu peux observer les progrès dans l'accompagnement des athlètes et finalement, est-ce que l'héritage se trouverait pas justement ici, une fois les Jeux terminés? Alors déjà, le plus grand progrès, c'est qu'on en parle. Il n'y a plus de honte dans ça. C'est-à-dire qu'à mon époque, quand tu disais ça, t'étais faible, t'étais moins considéré. Les gens pensaient que t'étais un extraterrestre, que c'était pas normal qu'un mec fort, grand, puissant, intelligent... T'as besoin d'un peu d'aide. Parlez de moi, là. ne pouvait pas gérer ce genre de soucis, qu'on pouvait demander de l'aide et qu'on n'était pas des surhommes, c'était impossible. Et quand je dis surhomme, c'est avec un grand H. Hein. J'inclus bien sûr c'est mesdames qui elles aussi sont des Wonder Woman de la vie normale. Je suis toujours surpris de me dire qu'avant ça fonctionnait pas et que d'un seul coup quelqu'un a osé dire ça va pas. Et finalement on l'a respecté, finalement cette parole s'est libérée. C'est comme dans tout, hein. À partir du moment où la parole se libère, on fait des progrès, on avance un peu et on a essayé de trouver des solutions. Alors je dis pas qu'on est dans la perfection sur ça, mais maintenant c'est respecté au moins. Il y a des préparateurs mentaux qui... Oui, préparateur mental. Oui. Non, préparateur mental. Il y a des préparateurs mentaux. Oui, mais c'est de la préparation mentale, c'est pas de la préparation mentaux. Ok, Fred. Je pense pas. Donc, ouais, donc, peu importe. Il y a ces gens qui sont capables de nous aider et autant en profiter. Je crois qu'on en profite de plus en plus. Je crois qu'on a vu les progrès aussi grâce à ça. Il faut bien manger, il faut bien s'entraîner et il faut être bien dans sa tête. Et je crois qu'on a enfin compris que pour que le sportif performe à 200%, il faut vraiment le cumul de ces trois choses. Mais le truc qui me vient à l'esprit en premier, c'est vraiment de se dire qu'enfin, ce tabou de la personne qu'on ne pouvait pas atteindre, de l'homme de fer, de la femme de fer, bah, il s'est écroulé et qu'on a compris qu'on avait tous besoin d'aide. Mais tu sais qu'on est dans la partie parce qu'on me demande en interview maintenant. Pardon, excuse-moi. Non, j'ai dit. C'est vrai que maintenant, à chaque fois que je fais des interviews, on me demande alors est-ce que tu as un préparateur mental, est-ce que tu es suivi par un psychologue, etc. Et moi, j'ai aucune honte à dire que oui. Et je trouve que c'est bien qu'on nous pose la question parce que du coup, ça montre aussi qu'on n'est pas que fort. Comme tu l'as dit, on a aussi des fêlures et on s'occupe de nous, quoi. Moi, je pense que de toute façon, même quand ça va bien, on devrait tous aller voir un psy. Voilà. Ouais. Oui, alors ta vie privée ne nous regarde pas. Non, mais tu vois, je trouve que ça se démocratise de plus en plus aussi. Bah, c'est le cas. Bah, là, si on parle de ça, c'est parce qu'au village olympique, effectivement, il y aura des psychologues. C'est une demande qui a été faite par la commission des athlètes et qui a été prise en considération. Il y a déjà une Olympiade d'hiver en arrière et ça s'est bien passé et c'était vraiment d'utilité, quoi, clairement. Je te rejoins, Oriana, bien sûr que c'est plutôt chouette qu'on en parle et qu'on puisse aussi dire très ouvertement que c'est... Enfin, le sport de haut niveau, c'est quand même l'aboutissement de plein de petits détails et l'empilement de plein de petits détails qui font la différence parce qu'au très très haut niveau, comme tu le sais très bien, les différences sont minces, quoi, et donc il faut mettre toutes les chances... À ce niveau-là, c'est des formules, hein. À ce niveau-là, c'est de la mécanique de précision et donc tout doit fonctionner. Je peux juste raconter une anecdote. On vient de parler de manger le petit déjeuner avec Engapet. Moi, j'ai eu la chance de manger en face de Mohamed Ali aux Jeux Olympiques. Wow. Donc j'avoue que je me la raconte un peu. Il y a de quoi quand même. Il y a de quoi.
Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce qu'il mangeait, tiens? Je sais pas, j'avais la bouche ouverte, je bégayais à moitié, j'ai même pas osé lui parler, je tremblais, vraiment. C'est lui qui a mis sa foire en face de toi, parce qu'il y avait de la place. Non, en fait, pour raconter, j'étais à ma table, il y avait une table juste à côté, et personne entre les deux. Donc en fait, j'ai mangé en face de lui, mais comme on l'est là maintenant. Ouais. Et d'un seul coup, il y avait un attroupement autour de lui, et d'un seul coup, c'est ouvert. Et tout le monde est parti, parce que je pense qu'ils ont dû le laisser manger tranquillement. Et là, on s'est retrouvé comme ça. Alors lui, il s'en foutait de me voir, évidemment, sauf que moi, j'étais comme ça. La bouche ouverte, et à un moment, je me suis dit, tu vas peut-être fermer ta bouche, qui va penser que t'es complètement fou, mais vraiment quelque chose d'incroyable. Rien que d'y penser, j'ai encore la chair de poule, parce que Mohamed Ali, quoi. Tu sais que jeudi vert, ce truc-là se passe avec les bobsleggers de l'équipe de Jamaïque. Quelles que soient les Olympiades, c'est pas les mêmes mecs, évidemment, mais ils arrivent. Ces quatre gaillards avec leurs trucs, les couleurs vert, noir, jaune qu'on connaît et tout. Et à chaque fois, ça fait ça. Ça fait le silence dans le self. Est-ce qu'ils font balance-man, cadence-man, grâce à glace, c'est le board-man. Mais tout le monde veut leurs pins et tout le monde leur saute dessus. Tu devras commencer ta collection de pins très, très tôt, Oriana. C'est un petit conseil d'Olympienne que je te donne. Les pins sont très chers et vaut mieux être dans les premiers à aller briser la glace et piquer les pins des autres. Tu m'étonnes. C'est parti. Bon, d'ailleurs, on parlait quand même. J'en ai déjà trois sur mon sac à dos, je compte bien le remplir. Magnifique. Je suis sûre qu'elle va être au taquet, je me fais pas de soucis. C'est clair. On parlait tout à l'heure des perfs des athlètes donc au championnat d'Europe qui était à Rome, en Italie, parce qu'il y a quand même eu 16 médailles, donc 4 titres pour les Français. Gabriel Tual sur 800 mètres, Alexis Miellet et Alice Fino sur 3000 mètres steeple, Sirena sur 100 mètres haies. C'est la troisième meilleure performance de l'histoire de l'équipe de France au championnat d'Europe. Oriana, est-ce que du côté de l'athlète, du coup, pour les Jeux, vous êtes confiant pour aller chercher les médailles, ou est-ce que c'est encore un autre step, finalement, tu vois, les Jeux Olympiques? Faut pas se mentir quand même, parce que c'est un autre step. Déjà parce que c'est le niveau mondial, et en plus de ça, parce que c'est les JO. Donc ça reste une compétition exceptionnelle avec un niveau qui est au-dessus des championnats d'Europe. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que dans les médailles que tu as pu citer et celles que tu n'as pas citées, il y a des performances qui valent à l'international, qui sont de niveau mondial et qui nous rassurent aussi sur le fait que on va pouvoir aller chercher des médailles, on va pouvoir jouer dans la cour des grands, quoi. Et en plus de ça, il y en a certains qui n'étaient pas là en équipe de France qui se rajouteront. Je pense à Benjamin Robert sur le 800 mètres, qui ira avec Gabriel Tual. Plein de monde comme ça qui se rajoutent et qui, eux, ont déjà fait les JO, qui ont déjà goûté au gratin international. Donc, en plus d'avoir une équipe avec une mentalité vraiment très soudée, beaucoup de partage, beaucoup d'engouement, on va dire, je pense que toutes les personnes qui ont pu performer là, sur les Europes, plus ceux qui n'étaient pas là, tout ça va faire un mélange du feu de Dieu. Et franchement, quand on arrivera sur le Stade de France, on n'ira pas en touriste. Oh là là. Je pense qu'on va rester là-dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était la parole idéale pour finir cette émission. Quand on va arriver au Stade de France, on sera pas là. Complètement d'accord. Une petite pensée pour Margot Chevrier, quand même, parce que tu as parlé justement des personnes qui n'étaient notamment pas là à ces Europes. Donc voilà, pensez Margot, on t'embrasse. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Moi, je suis super fan de cette jeune fille. Bah oui. Elle est incroyable. Elle parle bien. Elle est bonne en athlétisme. Elle vient de chez moi. Je suis un grand fan. J'aurai un maillot à ton effigie dès que je commenterai tous les matchs de basket. Peut-être qu'Oriana, tu devrais organiser un petit déj aussi avec Fred. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Mais avec un grand plaisir. Moi franchement, elle m'a vraiment impressionné. Ça m'arrive pas souvent, tu me connais quand même. Mais c'est vrai. Je suis étonnée. Ouais. Voilà. Et ça me touche beaucoup. Merci. Bon, allez, Oriana, prépare-toi bien. Bon courage. Merci, messieurs. Fabien, merci au taquet, toujours, comme d'habitude. On va finir l'Euro et puis après, on attaque les Jeux. Allez, parfait. Nous, on se retrouve l'année prochaine. On se retrouve à la rentrée en septembre pour une émission sur le statut juridique et les différentes formes possibles pour les athlètes. Ça sera sans nous, c'est vachement chiant. Ça a l'air super chiant, ça sera sans nous, on est d'accord. Non, mais c'est super important, arrête. Voilà, elle l'a dit. Et t'es ouf, toi. Moi, je vais déjeuner avec toi, du coup. Bon, les amis, en tout cas, profitez bien de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous, on se retrouve à la rentrée sur Sport en France. Ciao.